C'était donc au mois de juillet. On était en train de nettoyer l'église avec mon frère Charles et puis M. Morel et puis aussi Madame. Et puis d'un coup, un prêtre arrive en capucin et puis il demande s'il pourrait dire la messe à cet hôtel. Et je me rappellerai toujours Monsieur Morel, qui est un homme d'un caractère assez fort, lui dire, mais écoutez, vous avez assez de place dans votre église ou quoi? Hein? Est-ce que vous venez nous emmerder ici? Hein? Et puis il lui dit, oui, voyez, j'ai un souvenir de ma première messe, enfin, que du baratin. Et puis, en fait, il me dit, ben écoute, Daniel, Charles, vous pouvez servir la messe au père, là, mais il lui dit bien que ce sera la dernière fois. Alors, on sert la messe, on arrive à la sacristie, et puis il nous dit, écoutez, j'ai un merle qui chante et qui parle. Si vous voulez venir le voir, venez en début d'après-midi. Et puis moi, je lui réponds, écoutez, on va demander à ma grand-maman si on peut venir vous voir. Et puis voilà, mais je suis père capucin. Oui, 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 on habite tout près de chez vous, en fait. Oui, 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 alors d'accord. Alors nous allons, donc à 14h avec mon frère Charles, avec la bénédiction de ma grand-maman Alice. Et puis voilà, on voit bien un merle qui parle et qui chante. Et puis après, il nous dit, écoutez, on va monter dans ma chambre, demander dans sa chambre. Et voilà, il nous a descendu le pantalon. Et il a sucé nos zizi. On est sortis de là-bas. Moi, j'étais cassé. Mais voilà, on est rentré chez ma grand-maman, tout pneu. Et puis, une semaine après, le père est revenu. Mais à la maison chez moi, et il a dit à ma grand-mère, Daniel, très intelligent, vraiment, voilà, je vais m'occuper de lui. Ce sera peut-être une future vocation. Ça sert de talent, voyez. Et voilà, pendant 4 ans, j'ai vécu une misère noire. Cette misère noire commence en juin 1968. Daniel a 9 ans. 20 ans plus tard, en 1989, il trouve le courage de dénoncer son abuseur aux autorités de l'Église. On lui promet que le prêtre ne nuira plus. En fait, il est seulement déplacé. C'est en 2002 que Daniel découvre que l'homme est toujours en fonction, en France, à Grenoble. Daniel accepte alors de témoigner pour la presse. Puis en 2017, il publie un livre au titre déroutant, « Mon père, je vous pardonne ». La préface est du pape François en personne qui invite à faire sauter la chape de plomb qui étouffait les scandales et les souffrances. Oui, mais combien aujourd'hui ne lisent jamais de livres? Et comment éviter que Daniel demeure prisonnier de cette partie de son histoire, contraint de répéter sans cesse un témoignage pénible au gré des conférences qu'on l'invite à donner dans toute l'Europe? Voilà pourquoi nous avons voulu faire ce film. Le livre de Daniel ne dérange pas seulement par son titre. Les mots dépeignent une réalité violente, ils sont crus, ceux du film le seront aussi. Il lui a fallu près d'un an avec son amie Micheline Repon pour donner forme à ce témoignage douloureux. Je me suis dit, Daniel a le courage de témoigner. Il a le courage de témoigner, de mettre des mots sur un vécu qui est horrible, qui est pratiquement impensable. Et mettre des mots sur l'impensable, on sait à quel point c'est quelque chose de difficile. Donc j'aurais eu le sentiment, en résumant ou en édulcorant le propos, de trahir non seulement les paroles, mais le vécu en fait, de l'enfant qu'il était quand il a été violé. Il y a des mots qui résument un abus, hein. C'est violé, c'est abusé, c'est assez atténué en général. Et finalement, on peut se cacher derrière le mot et s'empêcher de visualiser quoi que ce soit par protection, on a le droit de le faire d'ailleurs. Mais là, moi, je me suis dit, non, c'est pas normal de faire comme ça. Je pense qu'il faut poser les mots tels qu'ils sont parce qu'un viol, c'est intrusif. Un viol, ça détruit. Un viol, sur un enfant, c'est quelque chose d'horrible. Daniel est né en 1959, troisième d'une famille de 5 enfants. Une famille en difficulté. Les parents ne s'entendent pas. Le père a des problèmes psychiques et finira par les quitter. La mère de Daniel est souvent malade et déprimée. C'est sa grand-mère maternelle, Alice, qui tient la barre quand ils arrivent à Fribourg en 1967.
Fribourg, une ville très catholique que l'on appelle la Petite Rome en raison du nombre des congrégations religieuses. C'est tout naturellement autour de l'église que la vie sociale s'organise. Je me souviens, j'étais prêtre, jeune prêtre ici dans cette paroisse. On nous a signalé l'arrivée, après la porte de Mora là-bas, d'une famille en difficulté. Une maman avec 5 enfants, jeunes, très jeunes, qui avait sa propre maman, la grand-maman, et qui venait, cette famille, je crois, de Romont, où elle avait vécu des moments très difficiles avec le papa, l'époux. C'est que mon père, comme il est pas bien dans la tête, il est aussi très jaloux. Alors il y a une jolie histoire qui aurait pu se terminer très mal. C'est-à-dire qu'un voisin de ma maman vient lui porter son veston pour accommoder. Et puis, il sait que ma mère était couturière. Elle le fait rapidement et va lui rapporter son veston. Malheureusement, le monsieur n'est plus là, donc elle suspend le veston à l'entrée de l'appartement. Et quand mon père arrive, eh bien, il voit ce veston et il pense que ma mère le trompe. Et là, il prend un couteau de cuisine et il essaye de l'assassiner. Donc voilà un peu le début de ma vie. Et moi, je suis dans le ventre de ma maman, j'ai 8 mois. C'est le 10 juin 1959 et je nais le 10 juillet 1959. Donc entre deux, donc mon père va aller dans une maison psychiatrique et voilà, ça va se faire comme ça. Et ma mère va retourner chez sa maman à Romont, voilà, pour se mettre un peu à l'abri. Mon père va revenir donc après quelques temps à Romont et il y aura vraiment de la friture dans ce couple. Et pour finir, mon père va dire des grandes bêtises, dans le fond. Il va dire que ses 5 enfants, ce n'est pas les siens. Donc c'est ma grande sœur et l'enfant du curé. Mon frère, c'est l'enfant du médecin. Moi, je suis l'enfant de l'avocat, etc. Donc on prend tous les notables de la ville, on leur donne 5 enfants. Et puis le cataclysme arrive et on nous propose... à ma mère, donc le préfet du lieu, que nous quittions cette ville pour aller dans une autre ville qui s'appelle Fribourg. Et je crois que cette famille venait à Fribourg parce que à Fribourg, la tante de Madame Pittet avait été supérieure générale des Sœurs de Saint-Paul, ce qui est un poste très important à Fribourg, en lien avec l'évêque et tout ça. Et je crois qu'ils se sont un peu réfugiés à Fribourg, c'est du moins ce qu'on a compris, pour se mettre un peu sur les ailes de la congrégation de Saint-Paul. Et puis, on nous a signalé leurs difficultés, donc nous avons pris contact. Eux-mêmes sont venus à la paroisse, c'était une famille très chrétienne, très pieuse. Les enfants se sont inscrits pour servir la messe. Et je dois dire simplement, nous les avons aidés, y compris financièrement, parce qu'il y avait vraiment de grands besoins. On va arriver dans un bloc locatif qui vient d'être construit tout neuf. Et puis, c'est un bloc justement pour des familles qui sont modestes. On nous met là-dedans. Et puis, en fait, c'est magnifique pour nous. Je ne sais pas, la cuisine est toute neuve. Les toilettes, c'est tout neuf. Il n'y a plus de parquet. C'est du linot. En fait, puis on a la vue sur la cathédrale de Fribourg. Alors, on se dit, ben voilà. Et puis, tout de suite, ma grand-maman... elle prend son courage, elle dit, ben voilà, nous sommes dans la capitale ici, c'est la cathédrale en face de nous, vous serez servant de messe, voilà, vous servirez la messe à l'évêque. On va être intégré à l'école du bourg, et tout le monde est très gentil avec nous, très sympa, voilà. Et puis voilà, on commence notre vie à Fribourg, modestement, pauvrement, mais relativement, rapidement très entouré de gens d'église qui veulent notre bien. Il y avait un côté non seulement de pratique religieuse, mais aussi de participation à la vie de la paroisse. Je sentais chez cette famille un besoin de vivre dans l'église, de vivre avec l'église. Enfin, Jésus, c'était toute la place dans notre maison. On était vraiment, il n'y avait que ça qui comptait. Et puis, d'être servant de messe, ça faisait en plus plaisir à ma grand-maman, à ma maman, on faisait partie des scouts.
On avait une vie ecclésiale, d'église, qui nous a beaucoup aidés, favorisés aussi dans les contacts. On connaissait presque tout le monde avec ça. Servant de messe, tout le monde me voyait. Vous savez que j'étais petit servant de messe à la cathédrale. Puis à l'époque, les gens pratiquaient un peu plus que maintenant. Donc tout ça, tout le monde savait que c'était la famille des pauvres petits pitets, quoi, qui était là, quoi, toute l'équipe, quoi. Alors c'était vraiment, on avait. Puis on aimait bien rendre service aux gens. On était vraiment très intégrés, je dirais, dans le tissu du centre de la ville. Alors, quand ça commence, dans le fond, j'ai 9 ans. Donc, ma grand-maman vit encore, hein, d'accord. C'est en 68, elle aime beaucoup le Père Capucin. Ma mère se méfie quand même un petit peu. Parce que quand il me prend sous ses genoux à table chez nous, puis qu'il fait comme ça, pendant 10 minutes, puis machin, il est tout tremble là-dedans. Hein. Ma mère, elle m'a quand même dit, mais il fait quoi, en fait? Je sais pas. Sent bien quelque chose qui tourne pas rond, quoi, ça c'est clair. Mais en même temps, ma grand-maman a une telle estime pour lui. D'ailleurs, il va faire des photos de ma grand-maman. C'est les seules photos qu'on a. Il va faire les photos de ma grand-maman. Il va faire la plus belle photo de moi quand je suis petit aussi. Magnifique photo que j'ai toujours. C'est lui qui l'a faite. Donc il est pervers, hein, c'est un pédophile pervers. Et il va faire des photos, pas seulement de notre visage, hein, mais il va faire aussi des photos de cul. Malheureusement, faut le dire. Et c'est la pornographie enfantine de l'époque. Il n'y a pas Internet. Donc il fait des photos, il éjacule, il fait des trucs terribles, etc. Je dois tout faire. Et puis il photographie. Et ces photos, ben voilà, ils vont chez d'autres, je pense. Alors, le couvent des Capucins, eux, ils avaient vu le manège, ça c'est clair. Et il y avait un frère qui s'appelait le frère Michel-Ange, qui avait vu ça, un chic frère, je pense. Et puis, il avait dit plusieurs fois, Daniel, il faut plus revenir là, parce que là, il fait des cochonneries, là. Hein. Oui, frère, oui. Allez, tu viens ou bien quoi? D'accord, j'arrive. Je m'excuse, il m'appelle. Puis un jour, le frère, il est venu, il a tellement toqué contre la porte, toujours en verre, hein, c'était des petits carreaux, il a cassé un petit carreau, puis il a voulu entrer, c'était fermé à clé, il avait enlevé la clé. Puis il a dit, t'es qu'un salaud, profite ce petit. Puis l'autre lui a répondu, ferme ta gueule, t'as intérêt, t'es qu'un frère. Ben, je suis sûr qu'on va pas me croire d'abord, et j'en ai d'ailleurs un exemple assez frappant. Ben, en famille, on avait une baignoire, puis après cette baignoire, et eh bien voilà, qu'est-ce qui se passait? Ben, tout le monde passait dans la baignoire, hein. Il y avait la grand-maman, la maman, les frères, les sœurs, etc. Et puis en fait, voilà, c'était mon tour, j'ai passé, j'avais du sperme sur mon pull, j'en avais sur le ventre, etc. Et puis ma mère, c'est quoi ça, ce jaune là? C'est du pipi, quoi. Ouais, du pipi. Ah bon? Bon, ben lève-toi comme il faut, lave-toi comme il faut, hein, s'il te plaît. Hein. Propre. Là, elle savait. Pour moi. Tu penses qu'elle savait? Mais écoute, nous avons fait 5 enfants, je pense que on sait ce que c'est quand même, non? Je n'en veux pas, mais elle n'a pas pu. Je pensais que ce n'était pas possible. Et puis ensuite, si on veut. C'était un peu difficile parce que le père m'a pris en vacances chez lui, j'allais dans tous les camps. Tout ça, c'était payé, elle n'a jamais reçu de facture, ma mère. Ça faisait une bouche de moins à nourrir, hein. Puis elle en Valais, à la montagne, ça te fera du bien, ici et ça, chez ces gens et tout, voilà. Alors, c'est clair que il n'y avait rien à dire. Moi, j'avais quand même un certain lien, hein, parce que, ben, à force des choses, allez, on va faire le petit train-train aujourd'hui. Moi, je ferai la locomotive, hein, d'accord? Tchouf, 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 tchouf. On est d'accord, hein? On va faire comme ça, comme d'habitude, d'accord, hein? Tchouf, 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 tchouf.
Bien sûr, il y a le salami, il y a des timbres poste, ils s'organisaient, hein, pour, disons, me plaire, dans le fond. C'était quand même c'est assez dramatique, mais quand même, dans les camps, par exemple, quand j'étais dans les camps, je recevais toujours la médaille en chocolat du coin, hein. J'étais le meilleur, celui qui mettait comme il faut son linge, qui était le plus appliqué, qui était le plus ceci et le plus cela. Enfin, alors, j'étais vraiment au top du camp, hein. On parle d'abus sexuels qui commencent toujours par une séduction de l'adulte sur l'enfant. Donc l'enfant est comme pris dans une confiance, dans une relation de tendresse, qui va faire qu'à un moment donné, il va se laisser faire à cause de cette tendresse, ce qui va lui donner cette impression d'avoir voulu, d'où le sentiment de culpabilité, de honte, de déni, de dépression, d'enfermement, jusqu'au jour où, grâce à la parole, on va pouvoir faire la lumière. Si Daniel n'échappe pas à l'emprise et au sentiment de culpabilité, il va vivre une étape étonnante et déterminante à l'âge de 11 ans, alors même que Joël Allah le viole régulièrement. Alors, c'est assez difficile à dire. Dans le sens où j'ai 11 ans, je suis donc chez les Pères Capucins à Fribourg, je suis dans l'église, c'est le 15 août 1971, donc je suis là, dans cette église, servant de messe. Je vais être violé, il se réjouit, il a fait la locomotive à la sacristie. Donc voilà, je suis là à messe comme ça. Je regarde un peu de gauche, de droite. Je suis dissipé, a dit ma mère après. Oui, je suis dissipé. Seulement que le père Capucin, qui est quand même prêtre, il va faire un serment à tomber sur le cul. Il va faire un serment sur la Sainte Vierge énorme. Même moi, je regarde un peu, je dis, mais dis donc, il parle de la Sainte Vierge, le salaud. Pas mal. Pas mal. Et je vois les gens qui commencent à sortir des mouchoirs dans l'assistance. Et puis il fait pleurer les gens encore. Du coup, je regarde devant moi, je dis, écoute, Daniel, c'est un malade. Il y a le prêtre, il n'y a rien à dire. Le sermon d'aujourd'hui, il est énorme. Puis il y a le salaud, le malade. C'est deux personnes différentes. Depuis aujourd'hui, je sais qu'il y a deux personnes en lui. Et je décide de lui pardonner. C'est énorme, mais c'est comme ça. Et 47 ans plus tard, je vais retourner, parce qu'il sait que je lui ai pardonné, je lui ai écrit, je vais retourner pour dire, c'était pas du pipeau. À 11 ans, l'Esprit Saint a permis que je te pardonne. Comme beaucoup de victimes, impossible pour le petit Daniel de dénoncer son agresseur. L'entourage sait, ou se doute au moins de quelque chose, mais personne ne parle. Pendant 4 ans, jusqu'en 1972, Daniel vit sous l'emprise du Capucin. Sa vie familiale se délite, sa mère est malade, sa grand-mère meurt. Daniel est placé et déplacé de famille d'accueil en maison religieuse. Un lien particulier l'unit aux sœurs de Saint-Paul. Sa grand-tante en a été la supérieure et garde un œil sur le jeune Daniel. Eh bien ici, j'ai été accueilli par les sœurs de Saint-Paul. Et dans cette communauté, donc j'étais, bon, bien sûr, le seul garçon. Et puis j'étais aimé. Ces sœurs, vraiment, j'étais choyé, c'était plein d'amour pour moi. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et puis d'autre part, j'étais aussi très câlin. Quand ma tante, ma grande tante, découvre quelque chose, elle me dira jamais quoi, mais elle découvre que je suis pas bien, que mes notes sont très mauvaises, etc. Elle va me faire venir, elle va me dire, écoute, qu'est-ce que tu vas faire chez Spé? C'est là, dans le fond, que c'est ma grande chance. Je prie depuis plus d'une année, depuis que je lui ai pardonné, je prie pour que je sois libéré de cette personne, de ce violeur. Et puis tout d'un coup, ça va venir au moment où je m'attends le moins. Ma grand-tante me fait venir, c'est pas n'importe qui, supérieure générale des sœurs de Saint-Paul, elle a du caractère, c'est pas une rigolaude, elle me prend sérieusement, elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Jeudi après-midi, samedi après-midi et le dimanche, chez ce père. J'ai dit, ma tante, je peux pas vous le dire.
Eh bien, tu n'iras plus. T'es content? Oui, ma tante. Va lui dire ça tout de suite. Il me violera pour la dernière fois. Il va me dire ce jour-là. Eh bien, voilà, c'était la fin, on est d'accord, hein? Tu m'intéresses plus de toute manière. Tu peux aller chez un autre confrère, il m'a donné le nom. Voilà. Donc, en fait, c'est un beau salaud, parce qu'il termine en disant, ben voilà, de toute manière, j'ai plus besoin de toi. Petite merde. L'abusé qui a été utilisé comme un objet se réduit à l'objet. Je ne suis plus rien. Je suis comme un objet sans âme qui n'a plus le droit d'exister. Et c'est ce qui va le pousser à des tentations, à des tentatives de suicide. Oui. En 1973, Daniel a 14 ans. Il accepte une offre providentielle pour travailler l'été comme portier au monastère bénédictin d'Einsiedeln, dans le canton de Schwytz. Ça, c'est des tout bons souvenirs. C'est là que je suis arrivé pour venir travailler comme portier. Ici à Einsiedeln, la salle des princes, l'administration, l'appartement du père abbé tout en haut. Voilà, j'entends la cloche qui sonne les heures. Et puis là, c'est ici que j'ai commencé mon travail, à la porterie Hofpforte. Voilà, rien n'a changé. Comment vas-tu? Ça va? Tu vis encore, toi? Mais je sais pas comment je fais. Bienvenue chez toi. Hein. Ouais. C'était gentil de dire ça. J'étais tellement touché de revenir, comme je leur disais. Après combien d'années? Plusieurs années. Hein. Et chez les pères, d'abord, je suis très apprécié, parce que quand on est portier, on voit tout le couvent des... Vous voyez, c'est un été. En plus, je suis resté 2 mois à la place d'un. C'était l'été. Et là, il y a tellement... Les gens passent, viennent dire bonjour au père. Et puis, en moins de 2 mois, je connais tout le monde, quoi. Je connais presque tous les pères. Et puis, aussi, je suis passionné par l'office. Parce qu'il y a des pères qui m'ont dit « Ah, mais tu veux venir, viens écouter le grégorien, viens essayer de chanter. » Alors, je suis portier, dans le fond, mais je vais aux offices. Parce que j'aime la liturgie. Puis, je deviens servant de messe en passant par là. Hop! Et puis, c'est servant de messe de grande classe, là-bas. C'est impeccable. C'est pas les petits trucs qu'on a chez nous à la cathédrale. C'est des immenses bougeoirs, c'est baroque. Puis j'entends chanter ses pères à plusieurs voix. C'est le sommet. C'est un incident, c'est le sommet. Puis un beau jour, j'ai fini mon école secondaire. Et je veux, dans le fond, être infirmier. C'est une grave erreur, mais voilà, je me dis, bon, pour les malades, j'aimais beaucoup ma grand-maman, je les soignais aussi un petit peu comme enfant. Je lui mettais, la lavette mouillée, froide sur le front. Je lui tenais la main, voilà. Enfin, je faisais rien, mais enfin, je me disais, je suis vraiment fait pour ça. Et puis, en fait, je vais tenir 2 mois dans cette école, et puis il y avait des filles. Je tombe dans une école, il y avait des filles. Et puis, bien sûr, elles sont toutes amoureuses de moi, je suis un joli garçon, l'arrêt de côté, très, comment je dirais ça, un petit peu, disons, timide, comme ça, ayant peur de toutes ces filles qui me courent dessus. Et puis, les gens ne peuvent pas penser que je souffre, mais je souffre énormément. Voilà, je vois une fille, j'ai des envies, comme tout le monde, quoi, dans le fond. Mais moi, je veux cacher ça, je ne veux pas qu'on me voie. Daniel quitte l'école d'infirmier et tout naturellement se réfugie à Einsiedeln. Les moines le connaissent bien, il est accueilli. À 18 ans, il fait son entrée au noviciat. Il travaillera notamment dans la célèbre bibliothèque du monastère fondée au Xe siècle. La grande salle rococo abrite des manuscrits, des incunables et plus de 200 000 ouvrages. Daniel y est chez lui, heureux, mais la vie au couvent ne le protège pas de ses troubles. J'ai jamais pensé qu'un père ou un frère pourrait être pédophile, même pas. Mais ça me venait pas. J'avais enterré ça sous, je sais pas, 3 ou 4 mètres de terre. Puis j'ai jamais pensé. Je souffrais de ma sexualité. Je souffrais. Parce que, j'avais des envies, disons. Et puis, on avait décidé de rentrer au monastère, on va être plus ou moins chaste.
Et puis j'ai vu que j'avais un problème de ce côté-là, mais j'en ai jamais parlé à personne. Tout d'un coup, je découvre que j'ai des angoisses. Des angoisses pour tout. Des angoisses pour marcher, des angoisses dans ma chambre, des angoisses de ne pas pouvoir dormir. Donc, c'est presque maladif, quoi. Je commence à avoir peur de moi. Je n'ose plus aller sur, par exemple, dans l'abbaye d'Ancidone, c'est une immense église et il y a un petit chemin à mi-hauteur. J'ose plus le prendre, tellement j'ai peur de voir le vide. Je suis attiré par le vide. Donc il y a un problème, je ne peux plus aller au Salve Regina parce qu'on doit marcher. J'ai des jours le premier pendant des années, je n'ai jamais eu de problème. D'un coup, je marche dans la gadoue, je ne sais plus si je marche, j'y vais arriver au bout, je commence à transpirer, donc j'ai un problème psychique. Ça, c'est évident. Et puis là, les pères voient tout de suite, et le père abbé me dit, ben écoute, il faut aller quelques mois dans une ferme où tu veux, mais il faut et trouver un psychiatre pour s'occuper de toi, tu as des soucis. Et j'ai dit, effectivement, j'ai des soucis, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne pense pas du tout à ça, hein. Pas du tout, je pense que je ne suis pas bien dans la vie, alors pourquoi? On va découvrir peut-être avec le psychiatre éventuellement et tout. Et puis, pas du tout. Le psychiatre va bien me regarder, mais enfin, vous êtes intelligent quand même. Bon. Moi j'ai mon oncle à Ancidone, il me dit encore, c'est particulier hein, d'être moine, mais enfin, il écrit une lettre au père abbé, écoutez, dans le fond il a eu un problème psychique, mais c'est pas psychiatrique. Pour moi il peut rentrer au monastère quand il veut, ça n'a plus de souci. Puis je vais retourner au monastère, c'est là que je vais voir que je ne peux pas. Daniel ne va pas bien. Il a oublié les viols qu'il a subis. Leur souvenir est enfoui, caché. Un déni total, comme cela arrive souvent. Mais la blessure est là, même s'il ne sait pas la nommer. La vie au monastère devient impossible. En 1981, le chapitre général le délie de ses vœux. Il n'est plus moine. Il faut dire qu'un enfant qui a subi un abus sexuel est plongé dans une sorte de confusion entre l'abuseur et la victime, où il a comme l'impression qu'il a joué le rôle de celui qui aurait voulu être abusé. Donc il y a toute une confusion qui va l'enfermer dans le silence, même dans le déni de ce qu'il a vécu, et qui va être une source terrible d'angoisse jusqu'à la volonté d'en finir avec la vie. Ça casse le rapport non seulement à l'autorité, mais par rebondissement à la relation avec Dieu. Dans mes recherches, je trouve assez impressionnant qu'un enfant qui vit un abus, il peut voir Dieu comme celui qui l'a abandonné, alors qu'il devait lui offrir sécurité, comme quelqu'un aussi qui l'aurait puni. On trouve ça dans certains témoignages qui vont comme faire naître une peur de Dieu, voire même une peur d'être damné, une peur d'être rejeté par Dieu. Seigneur qui nous dit « Laissez venir à moi les enfants » et puis des prêtres qui en font n'importe quoi, des choses. C'est une souffrance pour moi qui suis prêtre. C'est une question. Ce sont des larmes. Comme celles de Jésus. Il y a quelque chose de Vendredi Saint là derrière. J'espère que par la puissance de la spiritualité, mais aussi la puissance de la solidarité, on pourra allumer quelques étoiles Pascal dans cette vie et dans tant d'autres vies. Il n'y a pas d'autre manière de lutter contre le mal que d'augmenter le bien, avec la grâce de Dieu. Quand j'étais servant de messe, un jour, Monsieur Journet, qui s'appelait Monsieur l'abbé Journet, qui était cardinal dans le fond, mais il était tellement humble qu'il rasait les murs, il m'a dit, Daniel, si un jour tu souffres, tu iras 9 fois à Bourguillon. La 9e fois, tu sauras pourquoi. Alors, quand je suis revenu du monastère, je suis venu ici, c'était en hiver, 9 jours d'affilée. J'ai pleuré 8 fois. Et la 9e fois, j'ouvre la porte. Je me demandais bien ce que j'allais y faire et qu'est-ce que je découvre dans cette petite chapelle. Une fille qui pleurait, mais c'était des pleurs autre chose que moi. Alors j'ai dit à la Sainte Vierge, écoute, occupe-toi de cette fille, je m'occupe de moi. Et j'ai fermé la porte. Et en partant, ici sous le porche, j'ai eu le choix. Ou bien je garde la foi, ou je la jette.
et j'ai décidé de la garder jusqu'à la mort en souvenir de ma grand-maman, de ma maman qui me l'avait donnée. C'est l'Esprit Saint. J'ai eu un moment, je comprends pas, je vois pas, c'est l'Esprit Saint, j'ai eu ce choix, j'aurais pu dire non. J'ai choisi le bon. Et j'en suis très heureux aujourd'hui, vraiment. À sa sortie du monastère, Daniel est engagé à la bibliothèque cantonale de Fribourg. Il mène une vie de célibataire chez sa mère, mais ses relations avec les femmes sont difficiles. Après une première expérience sexuelle avec une jeune femme, il sombre. Les traumatismes ressurgissent et le noient. C'est alors que pour la première fois, Daniel va se confier. Il se remémore les événements de son enfance et en parle à Georges, son chef au travail, qui est devenu un ami. Un médecin l'aide à comprendre qu'il traverse une grave dépression. Georges ne le quitte pas et son amitié indéfectible, sa présence de chaque jour, aide Daniel à tenir debout. Puis Daniel rencontre Valérie. Ils se marient en 1995. Ils auront 6 enfants. Daniel est resté très engagé dans l'Église. Il a fondé l'association Prier Témoigner qui organise un grand rassemblement annuel. Il organise aussi des pèlerinages et collabore à des revues. Il rencontre Guy Gilbert, Jean Vanier et Sœur Emmanuelle. Il écrit un livre sur les couvents de Suisse romande, Rencontres au monastère. Et il lance une petite collection biblique. Mais en 1989, un coup de tonnerre a éclaté dans la vie de Daniel. C'est un tournant dans ma vie, donc il faut le dire, Joël, là, j'y pense plus. Je suis sûr aussi que je suis le seul. Hein. Voilà, j'ai été violé. Voilà. Mais ça ne rentre plus en ligne de compte. J'ai une nouvelle vie. Je veux pas casser ma nouvelle vie. Hein, on est d'accord. J'ai ma nouvelle vie. Ça grandit. J'ai des idées, mais complètement folles. Je vais à Paray-le-Monial. Je vais en Allemagne. Je vois comment ça fonctionne, ces grands rassemblements. Et puis tout d'un coup, je croise un petit garçon qui a 8 ans. Et ce petit garçon va m'intriguer pendant tout le week-end. Je le regarde, ça n'a pas l'air d'aller fort, mais il me ressemble, ce petit, c'est énorme. Et puis tout d'un coup, je parle à une dame qui fait partie de mon comité, je dis, Marie-Louise, écoute, ça n'a pas l'air d'aller fort, ce petit. Puis elle me dit, non, il ne va pas fort. Tu peux aller lui demander. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais chez ce petit garçon, Thibaut, et je lui dis, écoute, il y a quelqu'un qui touche ton zizi. Il me répond, oui, monsieur. C'est qui touche mon zizi? C'est le père Joël Alla. Il ne le touchera plus. T'es content? Oui, monsieur. C'est exactement ce que j'avais vécu des années avant avec ma grande-tante. Et ça va être un tremblement. Tout d'un coup, je ne suis plus tout à fait Daniel ce que je suis. Je ne suis plus du tout gentil. Je pars de cette rencontre. Je vais à l'évêché, malheureusement ou heureusement, l'évêque n'est pas là. Et je vais voir l'officiel du diocèse et je lui dis, Monseigneur, je vais vous dire quelque chose qui va être terrible, mais je ne vous lâcherai pas. Je viens de rencontrer un jeune, qui s'appelle Thibaut, qui a 8 ans, qui est violé par le même prêtre que moi, il y a 15-20 ans en arrière. Si vous ne faites rien, c'est moi qui dépose plainte. Alors, je vous demande ce que vous en pensez. Il m'a dit, mais écoutez, M. Bitté, je suis content de... Voilà, que vous dites ça. Vous avez des preuves pour vous, déjà, quand c'était, comment c'était, et tout. Puis c'est vraiment le bras de quoi. Je ne sais plus les dates, je ne connais plus... Je sais plus les lieux. Et puis, je vais ouvrir ma tombe. C'est ouvrir sa tombe. C'est très dur. Je vais ouvrir, je vais demander à plein de gens, mais tu te rappelles, et c'est mon frère, en fait, Nicolas, qui va me permettre de retrouver les dates. C'est-à-dire, c'est 1968-1972, c'est où j'apparais dans la revue Foyer, où j'ai mes photos à moi, où il y a toutes les photos des autres qui ont été violées. On est là. Et c'est là que je me rencontre et je peux commencer à discuter avec cet officiel sérieusement. Je lui donne des dates, il me demande exactement où, quoi, comment. Je me rappelle de tas de choses énormes qui vont me revenir, qui vont être très très dures. Je vais passer des semaines horribles. Je vais redécouvrir le laboratoire de photos.
chez les Pères Capucins, à Fribourg, où, voilà, où ils photographiaient, c'était l'ancien système, vous voyez, on photographiait, on était nus, et voilà, ils photographiaient avec sa zézette, tout son fourbi, son sperme et tout, sur mon dos, sur mon ventre, etc. Je vais découvrir l'endroit exact où normalement il me violait, hein. Je veux dire, l'endroit où c'était la chambre du provincial, vous voyez, c'est une chambre double, comme ça, on est plus sûr, et voilà, et ça va être quelque chose de titanesque, et je vais être beaucoup aidé, dans le fond, par des gens qui m'entourent. Alors, vraiment, il faut dire quand même la vérité, ce Monseigneur Périsset m'a permis d'être reconnu. Parce que l'évêque, en tant que tel, il m'a simplement dit, je l'aimais beaucoup, Monseigneur m'a mis, c'est un chic type. Il m'a dit, tu sais, Daniel, la seule chose de vrai dans les journaux, c'est les avis mortuaires. Je suis désolé, salut. Donc c'est clair qu'avec lui, on n'aurait pas fait un grand chemin. Donc Monseigneur Périsset reconnaît, je lui demande aussi des choses très précises. Je lui demande qu'il soit soigné, qu'il ne soit plus en lien avec la pastorale. Monseigneur Périsset me le promet. Il me dit, voilà, Monsieur Daniel Pittet, vous pouvez tourner la page. Ni plainte pénale, ni procédure canonique. Selon le droit de l'époque, les abus sexuels étaient prescrits après 10 ans pour le droit pénal et 5 ans pour le droit canonique. Les faits dénoncés par Daniel Pittet étaient bien antérieurs à ces délais. L'Église promet à Daniel que Joël Allah ne nuira plus. C'est tout ce qu'il demande. En fait, le prêtre est seulement déplacé. En 2002, Daniel découvre avec stupéfaction que le religieux a récidivé à Grenoble, où il est responsable de 7 paroisses. Daniel décide alors de parler. Il témoigne dans l'émission « Temps présent » pour la télévision suisse romande. Daniel est connu, cela fait du bruit. Beaucoup lui tournent le dos. En ces années-là, il ne fait pas bon témoigner contre l'Église. Monseigneur Bernard Genoux est devenu évêque de Genève, Lausanne et Fribourg. Il connaît bien Daniel. Il l'a préparé au mariage avec Valérie. Avec Rémy Berchier, le vicaire général, ils écoutent Daniel et ils le croient. Il sera reconnu et indemnisé en 2003. Une commission est mise en place dans le diocèse. Plus de 20 victimes du Père Allah sont identifiées, mais tous les faits sont prescrits. Durant l'enquête, le religieux mentionne 2 autres victimes en France entre 1992 et 1995. Le dossier est transmis au procureur de Grenoble et le 5 avril 2012, Joël Allah est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il ne passera pas un seul jour derrière les barreaux. Aujourd'hui encore, après le témoignage de Daniel, Monseigneur Morero, désormais évêque et résolument engagé dans la lutte contre la pédophilie, invite les victimes du Capucin à se faire connaître. Le 23 juin 2017, la province suisse des Capucins publie un communiqué laconique sur son site internet, précisant que Rome a relevé Joël Allah de ses vœux et l'a renvoyé de l'état clérical. Âgé de 77 ans, l'homme n'est donc plus prêtre ni religieux. Il reste hébergé par les Capucins. Joël Allah a lui-même reconnu avoir violé plus de 40 enfants. Alors pourquoi on m'a menti? J'ai quand même réfléchi. Alors je me suis dit, ce monsieur Pays, c'est qu'elle est honnête et tout, est-ce qu'il m'a menti? Peut-être. Qui il était ce Joël Allah? Ben, il était Capucin. Donc c'est qui les Capucins? Ben, c'est un ordre. Hein, l'ordre Saint-François. Alors, entre l'évêché, donc, qui a ses propres prêtres, de prêtres diocésains, et puis les communautés religieuses qu'il y a autour, ben, il n'y a pas forcément un lien direct. Alors, j'espère et j'imagine que Monsieur Brice a donné cet ordre aux pères capucins de l'époque, puis les pères capucins de l'époque, ou patate chaude, qu'est-ce qu'on en fait? Hop, 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 ben, disons, ben, allez, on va trouver une solution, hop, et ben, on en va en France, et voilà. Mais en fait, j'en veux pas, Joël Allah, dans le fond. Parce qu'il est malade. Et qui c'est qui a fait la faute? C'est ses supérieurs. C'est les supérieurs qu'il faut blâmer. C'est pas lui, parce qu'il est malade. Moi, je sais qu'un pédophile pervers, il sera toujours pervers, quoi qu'il arrive. Donc, il faut... j'ai tout de suite pensé... bien sûr, j'ai pensé à lui, je prie tous les jours pour lui. Mais le problème, c'était pas lui, en l'occurrence. J'étais fâché, je suis toujours fâché contre la hiérarchie. Très fâché, parce que la hiérarchie cache encore des choses aujourd'hui, on est d'accord.
Mais aujourd'hui, malgré les dénonciations, le sujet est encore tabou. Et même au sein de l'Église, on en a peur. Et je vois mon bouquin, combien de librairies cathos l'ont refusé parce qu'on en fait le déni. Alors tant qu'on fait le déni, on n'aide pas les gens. Et moi, j'aurais envie de lancer un coup de pied là-dedans et de dire maintenant, parlons-en, mais proposons un chemin possible de reconstruction, proposons une aide spirituelle, et je précise toujours, parallèlement à l'accompagnement psychologique, on ne pourrait pas faire non plus le déni, où on croit que tout à coup, dans l'Église, il n'y a plus que des miracles, et puis non, il faut respecter l'humain par rapport à ce qu'il a vécu, et l'aide psychologique, elle est première. Tous ces évêques qui ont des difficultés avec ce problème, il faut qu'ils aillent voir des spécialistes, qui vont leur dire, qu'est-ce que c'est ce tremblement de terre ? Qu'est-ce que c'est d'être violé par un prêtre qui a une autorité spirituelle? Mais c'est catastrophique, ça vous tue un homme. Il faut vraiment qu'on reconnaisse toutes les faiblesses qu'on a pu et toutes les fautes qu'on a pu commettre dans l'Église, et puis qu'on puisse mettre les choses à plat et qu'on puisse reconstruire à partir de ça. Et je crois qu'on ne peut plus continuer à construire sur ce qui est silence ou ce qui est mensonge. Il y a un changement de culture à faire. Je ne connais pas tous les paramètres, mais j'ai l'impression qu'on a longtemps eu l'impression, parce que c'était le cas pendant des siècles, et ça ne l'est pourtant plus depuis longtemps, qu'on était comme dans un autre système de justice. Une justice propre qui s'applique à nous. Et une conscience peut-être un peu insuffisante de l'importance de vivre dans un état de droit, les mêmes règles s'appliquent à tous, mais la base, je crois, c'est le manque de conscience de l'impact sur la victime. Encore une fois, l'impact à long terme. Et je crois que je n'aurais jamais pris conscience de ça, je me serais dit, c'est pas bien, faut pas le faire, évidemment, ça fait du mal, mais sans avoir vu les gens, je n'aurais pas compris qu'il faut, à quel point il faut tout faire pour l'empêcher et pour essayer d'aider ceux qui ont été victimes. Pour moi, la reconnaissance de l'Église dans l'accueil de la personne, dans la demande de pardon à la personne au nom de l'Église et au nom de ceux, de nos confrères qui ont agi de cette façon criminelle, est déjà une étape importante. Et je pense que la reconnaissance par une aide fait aussi partie du chemin. Ce qui est très beau, je trouve, pour moi, la Conférence des évêques suisses demande, par l'intermédiaire des journaux, que toutes les personnes qui auraient été touchées, violées, d'une manière ou d'une autre, sont priées de s'annoncer à tous les évêchés de Suisse. Il y a des cellules maintenant dans toute la Suisse qui recueillent les témoignages et les personnes pourront être reconnues officiellement par l'Église avec une lettre. Vous avez le droit à une reconnaissance. Et quand vous serez reconnu, vous serez une personne déjà beaucoup plus debout qu'en n'étant pas reconnu. On a, notamment dans ce diocèse, tout un processus de prévention. Les personnes qui travaillent pour l'Église doivent participer à des séances de présentation données par des spécialistes qui aident à reconnaître les cas problématiques et en même temps à savoir ce qu'on peut faire. Parce qu'ils nous disent, nous sommes dans une situation où beaucoup de monde, pas seulement dans l'Église, n'ose presque plus travailler avec des mineurs. Et il faut montrer ce qu'on peut faire. En même temps qu'on montre ce qu'il ne faut pas faire ou comment reconnaître les problèmes dont on est des témoins éventuellement inconscients. Le témoignage de Daniel, dans les médias, puis à visage découvert avec son livre, contribue à la prise de conscience. D'autant que dans son livre, Daniel publie aussi le témoignage du violeur, une interview du père Allah. Et il choisit finalement pour titre cette affirmation provocante « Mon père, je vous pardonne ». D'abord, je demande à ce qu'il puisse témoigner dans mon livre. Je sais comme dans les divorces. Je me dis, mais tiens, pourquoi il ne dirait pas, lui, ce qu'il a vécu ? Alors, je ne sais pas ce que ça allait donner, mais enfin voilà, j'ai demandé, et bon, ben, il était d'accord. Voilà. Alors, Micheline et Monsieur Moréon ont été le voir, et puis ont discuté avec lui de savoir, voilà, quoi, comment, est-ce que c'était vrai, tout. Et puis, il va écrire quelque chose d'horrible pour moi. Quand je vais lire ça, je vais découvrir que dans le fond,
c'était vraiment un malade, un vrai, tout vrai. Tout ce que j'ai senti à 11 ans, je l'ai revu vraiment parfaitement. Et puis j'ai décidé qu'il souffrait plus que moi. Donc, un dimanche soir, j'ai décidé d'aller le voir. Contre l'avis de mon psychiatre, contre l'avis de tout le monde. J'ai dit, je vais le voir, il faut que je le voie, pour deux raisons, mais surtout, je veux lui dire au revoir. Je pensais qu'il était mort, il n'est pas mort. Donc, voilà, et par chance, mon évêque est d'accord de venir avec moi. Et c'était vraiment un tout grand jour de ma vie. Parce qu'en fait, on ne va pas se reconnaître. Je vais voir un pauvre homme sur un rollator, un tintébin, voilà. Et puis, petit bonhomme comme ça, mais minuscule. Puis moi qui fais près de 2 mètres, 120 kilos, je vois ce petit chose. Je me dis, c'est quoi cette histoire? C'est lui qui m'a fait tant souffrir. C'est lui par laquelle j'ai eu tant de problèmes personnels, sexuels et tout. C'est ça. Puis lui, il me regarde, il se demande, qu'est-ce que c'est ce géant, quoi? Et puis, je vais l'aider à rentrer dans cette cafétéria du couvent. On va... C'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'oublie qu'il est mon violeur. Je vois un homme âgé qui a de la peine à se mouvoir. Puis, je vais l'aider à rentrer. J'ai pensé lui offrir aussi une boîte de chocolat. Puis, à la fin, je lui donne cette boîte. Et puis, je l'embrasse. Et je lui dis, je serai portier au paradis. C'est moi qui t'accueillerai. Il a une énergie extraordinaire et un enthousiasme fou. Ça rend la situation actuelle vraiment assez unique, il faut bien dire. Et il a une foi en la providence qui est assez unique. Il se dit, ah ben ça va être comme ça, et on se lance. Quand il m'a dit, bon, la préface, ça doit être le pape. Je me disais, en fait, j'essayais presque de préparer la déception en disant, oh mais lui, mais tu sais, il a beaucoup à faire. Ah non, ça marche, chez lui c'est comme ça, c'est... Il dit, Sainte Thérèse, il a vraiment une foi en la Providence, ça l'a... Il soulève des montagnes. Je dis à mon évêque, il faut que le pape fasse la préface de ce livre. Il me dit, mais pas bien, Daniel. Alors sur ce domaine-là, t'es pas bien. C'est pas possible. Je te le dis. J'ai dit, Charles, je suis sûr qu'il peut le faire. Mais peut-être c'est pas nécessaire. Charles va aller, il dira, écoute, Daniel... T'as pas pu venir, malheureusement, t'étais à l'hôpital, t'étais malade, c'est peut-être providentiel. Faut oublier ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je dis, c'est possible, peut-être je vois faux. C'est peut-être non. Alors je dis à Sainte Thérèse, écoute, c'est vrai, c'est peut-être non, c'est mieux comme ça. Ce sera un petit livre, un de plus, dans l'anonymat complet. Voilà, on aura quand même fait un livre. Peut-être ça aidera quelqu'un, une personne, ça suffit, m'a dit le pape. S'il y a une personne qui lit ton livre Aimé Soudonné et qui se convertit, il fallait le faire. Je me suis dit ça. Puis à un moment donné, je dis à Sainte Thérèse, écoute, je t'envoie au Vatican. J'arrive aussi derrière toi. On va voir ça. Je veux que le pape me dise oui ou non. Seulement, je n'ai pas d'invitation. Voilà. Alors je vais au Vatican, à Sainte-Marthe, où le pape habite. Et là, il y a un miracle. Je ne peux pas dire plus, c'est privé, mais il y a un miracle. Le pape signe cette préface. Et le pape a vu juste, je suis sûr. Il a vu juste parce qu'il sait, il l'a dit d'ailleurs, dans l'Église, déjà en Italie, ça n'existe pas. En Pologne, ça n'existe pas. En Amérique du Sud, ça n'existe pas. Et c'est là que je vais comprendre que dans le fond, l'Église n'est pas unie. L'Église, c'est compliqué. Et va permettre à ce livre, qui va être édité en toutes les langues possibles et imaginables, grâce à lui, eh bien, je pense qu'il y a des gens qui pourront se remettre debout. C'est pas moi, c'est le pape qui a fait cet effort énorme, certainement contre la vie de ceux qui l'entourent. Dans sa préface, le pape François condamne cette absolue monstruosité, ce péché effroyable, rappelant les paroles sévères du Christ à l'encontre de ceux qui font du mal aux enfants. Il redit l'engagement de l'Église à soigner et protéger les plus faibles et ceux qui sont sans défense. François appelle à faire preuve d'une grande sévérité pour ces prêtres qui trahissent leur mission et pour la hiérarchie qui les protégerait. Maintenant,
étant donné ce que nous savons, il faut avoir le courage de débrider la plaie et d'appeler sur ce péché, il faut bien le dire, c'est son nom, le pardon, mais aussi la réparation. Et je pense que l'Église pourrait sortir plus pure, on parle de réforme dans l'Église, plus forte si on passait par ce moment qui peut être un moment de grâce, parce que la grâce, ça vient fleurir parfois sur quelques détritus, il y a des fleurs. Daniel est quelqu'un qui dit que l'Église, c'est pas que ça. Que l'Église est belle, que l'Église est sainte, que l'Église a aussi quelque chose à proposer aux gens qui souffrent. Oui. J'ai été violée, c'est vrai, pendant 4 ans, certainement plus de 200 fois. On est violée une fois, c'est déjà trop. Une fois, c'est déjà trop. C'est pas le nombre. Ça veut rien dire, ça, déjà, une chose. Puis deuxièmement, je me suis construit là-dessus. Alors, tous les gens qui ont été violés, ils sont construits là-dessus. Et souvent, c'est une belle équipe de bons types qui essaient de faire au mieux, qui ont beaucoup souffert, qui restent humbles devant la vie. Et puis moi, je suis très humble, je suis très fragile, et je suis là, je suis un petit peu comme un roseau. Ça penche de temps en temps, d'un côté et de l'autre. Quand ça penche trop, je prends des médicaments pour me remonter. Et je veux le dire aussi, la majorité des prêtres, des consacrés, des sœurs, de tout ce qu'on veut, ils sont... c'est vraiment des gens formidables. Ça, faut déjà le dire. Hein, la majorité. C'est pas parce qu'il y en a un sur 1000 ou 2 ou 3 sur 1000 qui casse tout. Non. Je demande aux prêtres qui nous entendent et tout. Continuez votre boulot. Vous êtes missionnaires. Vous êtes le bras droit du Christ. Vous faites votre boulot, vous faites tout ce que vous pouvez. Et vous êtes courageux. Ça, c'est la majorité de la majorité. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je crois. Et que je suis sûr, je sais que Jésus existe. Et qu'on le retrouvera, je le sais. Hein? Puis bon, j'ai une petite particularité. C'est quand j'ai un petit problème avec quelqu'un, d'église, j'ai ma ligne droite, hein, un peu comme ça. Et puis je discute avec Jésus, la Sainte Vierge, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, Padre Pio et tous les autres.